Bonjour, c'est Congo News 24. Bande Koranga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Koranga, soyez les bienvenus. À la une, Bande Koranga. Match de barrage mondial Qatar 2022, Bandiko Boko Yoka, Oyo Samano Konde Alubi. Le gouvernement a mis tous les moyens pour les matchs et de ces Maroc. Et Zaya Koyinda, et si Yindi Toko développe mon émission, la mission. Deuxième point, chers téléspectateurs, 15 ans de servitude pénale requis contre un Congolais, membre de ADF Bandiko Akeko Koutana. Na Moussa Baloukou na Ouganda. Alors, Bande Koranga, ça sont mon émission. Et puis, on va parler. Il y a sensibilisation. Où est-ce que ça, Manabeni? Et les miliciens Nyons, na ba ADF, où est-ce que tu es comme une douce? Bah, il y a un moko. Bah, ça a un problème. Parce que, bah, comme il y a maintenant un moto de bandage, parce que l'armée ougandaise, n'a pas de se battre pression pour sa banane. Mais, va lancer un message. Ce côté qui nous est, yomoko, pas de problème. Alors, Tokoyoka, d'extrême émission, peut-être qu'on développe en ça. Troisième point, Bande Konanga. Vérité, si la santé du président de la République, Bandiko, tu sais qu'il dit, Boyoka, Oyo, Balobi. Alors, en direct de Bruxelles. Quatrième point, Bande Konangai. Lutundu l'a choisi Tshisekedi et non Moïse Katumbi. Alobi ango polele, alors Katumbi azana. Kolera kosakana, ngote donga yindi l'émission. Alors Bande Konanga, tous à la connecté, peut-être qu'on développe ensemble, na Senko Bakena et pas Denis Kadima, sur l'élection 2023. Donc ça choque dans cette émission, tous à la connecté. Alors, chers téléspectateurs, émission de M. Bandi est comme tant autre sur la masse de la Bandeko, voyez bien ça, Baninga Nyonso, où il place aux alliés et des tangues coquins. Tout ça, tout autour à Congo News 24, pour tout développer parce que le nom a solé Zébé. Premier point déjà, Bandeko, où il y a kaka EDC Bassengi Union, pour tout qu'il y a la Coupe du Monde. Le gouvernement a mis tous les moyens pour les matchs EDC Maroc. Bandeko Fati atie ba mbongo nyonso samalu konda a confirmé. Et mbongo nyonso est après Bokoyoka secrétaire ya Fédération Nabiso a ko expliquer que ba mbongo nyonso est après mususu basi ba payé donc mutu nyonso avant match a du mbongo na ye makamu nyonso donc prêt pour na ba joueur moral kitoko. Ba prime nyonso, makamu nyonso don en avance. Parce que ba lingi moral na bango za la kitoko. Tant ba zobeta match, makamu ele ka bien. Match de barrage mondial Qatar 2022. Le gouvernement de la République a mis tous les moyens en place pour arracher la qualification de la double confrontation pour le barrage de la Coupe du Monde au Qatar 2022 contre le Maroc en ce mois de mars. Dans les mêmes optiques, le chef de l'État a pris tout en charge et tout est fin prêt. Bandeko, Fachi, ah non. Tala, tant que Fachi et moi, zola ta koutou varezouana, la ti yango, pour akolak sa fidélité à l'équipe nationale, Bandeko, eze sengo, mo kanabiso, eze événement. Je me souviens, na l'air wana tozaki penda donc, ba jeune. Na 74, hein? Na robosa na yangote, na zaï 14 ans, hein? Mbala moko na lè wana tozui, to petit Maroc 3-0. Alors, toujours raisonné, diab événement wana ki, na 74, Erwana, et de ses puissances, mbongo koutou, donc, mbongo na pise zana valeur, un Zaïre égale à 2 dollars, donc mon bout tu peux donc à sala qui vraiment solo ba joueur moral qui to. Fachi pas le vite.
et comme il tend. Bana mboka ba kende coupe du monde. Bande ko coupe du monde. Et ko élevé mboka na biso na makambo ebeli. Parce que comme qui na ghetto. Ba jeu ba zo souffrir na ndenga mukete. Alors facha chimba mbongo pena nyonso ya ba joueur en place. Ministre sport a déjà confirmé et puis Samuel Kondé a confirmé. Ministre des finances, ministre Abidji, bande ko réunion zakina na primature. Bon mwana kasongwa zawana pour na ko préparer événement wana en avance. Makambwe le kakitoko. Le compte à rebours pour le match crucial entre Congolais et Marocains a commencé. La première réunion pour lancer les hostilités en termes d'organisation a été démise. Bandeko, match est à somme. En football, la République démocratique du Congo se prépare à affronter le 25 mars prochain au stade des martyrs de Kinshasa, le Maroc, au match aller pour les comptes des barrages du mondial 14 2022. Bandeko, match est à Kosaka en Angoti. Donc, il faut matcho yopenda to gagner yango. Parce que, soto quand ça be événement, ou est le cas le cas. Donc, eko zala kitoko. Parce que na l'air wana, ba, léopard na biso, ba gagne match, ba ide bango, bongo nde siko yome. Voilà. Fatih et moi, on l'a d'abé événement de près. Parce que tant que koki, et comme tant que yo ba Congolais ba sepe la, ma kambo, oyo, oye zalaki, ya mawa mawa to zay soukounati. Alors, bande konangay, le 25, et ko zala somona, stade de martyr. Mais, avant de continuer ma soule, to yo ka extrait oyo, bon, to continue mission na bisou. Pour échanger avec vous, fidèles auditeurs, nous avons associé dans cet échange M. Barthélémy Okito qui est avec nous en ligne. Bonjour M. Okito. M. Barthélémy Okito, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes secrétaire général au sport et nous parlons de préparatifs dans les cadres du barrage mondial Qatar 2022. Peut-être avant de pouvoir parler de préparatifs, est-ce qu'on peut dire que le fait que la RDC se trouve à ce stade de jouer le barrage, ça a été un objectif au niveau de notre football, compte tenu de tout ce que nous avons connu, ou bien on y est arrivé, tant mieux que mal, à nous retrouver à ce stade? Non, il ne faut pas dire que c'était un hasard. Était que nous, hein, tout le monde, vous le savez, le peuple congolais, l'ensemble du peuple congolais, le souhait ardent du peuple congolais, c'est d'arriver, de participer il y a longtemps. Hein, les jeunes qui sont nés en 75, hein, qui sont nés après 74, n'ont jamais vu les léopards à la Coupe du Monde. Donc tout le monde là veut aujourd'hui, et l'ensemble du peuple congolais voudrait que nous nous qualifions à la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà. Alors maintenant, on dit bien qu'il faut préparer... sa mouture, il faut se préparer pour gagner la guerre. Alors, où sommes-nous aujourd'hui en termes de préparatifs de Léopard? Oui, vous savez, vous avez suivi le compte rendu de son Excellence Monsieur le Ministre des Sports et Loisirs, Serge Chemboukonde, quand on nous a reçu par le Premier Ministre. Donc, il faut prendre trois aspects importants en ce qui concerne la préparation. Vous avez d'abord constaté que le gouvernement a pris en charge deux stages. Le premier stage, c'était pour montrer à Coubert les joueurs locaux. Donc, on lui a donné une idée des joueurs locaux, il en a sélectionné 26 et il a vu les joueurs locaux. Il y avait un deuxième stage à Barème. C'était pour prendre les autres qui n'avaient pas encore vu. Là, c'était la première chose. Deuxième chose, vous avez suivi, le gouvernement a pris en charge l'entraîneur, le sélectionneur Cooper, puis on l'a laissé
en Europe et partout à l'extérieur du pays pour aller voir le meilleur joueur congolais et suivre le temps de jeu des Congolais des non-léopards. Hein? Donc, il a été pris en charge par l'État. Ensuite, après ce premier aspect, le deuxième aspect, c'est le sélectionneur lui-même. Vous avez suivi que on a réglé tout son contentieux. Tout son contentieux, c'est-à-dire conformément au contrat, la République n'a pas de problème avec lui, on a tout payé. Et puis nous avons eu quelques réclamations des athlètes à ce qui concerne la prime, et le gouvernement a accepté, a accédé à cette prime. Mais beaucoup de Congolais disent, mais le secrétaire général, il faut sacraliser cette prime, il ne faut pas donner les montants, il ne faut pas les dire, parce que bon, moi j'ai dit, on a les droits de rédévabilité. Vous savez, ailleurs, tout est l'argent des trésors est connu, l'utilisation de l'argent des trésors est connue, mais, et puis les athlètes m'ont appelé dire, nous nous sommes avec des familles congolaises, quand vous dites ça, depuis l'aéroport jusqu'à la maison, on nous suit. Et bon, bref, voilà. De toute façon, côté gouvernement, la prime sera payée avant le match et de Kinshasa et au Maroc. Ça, c'est deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est la mobilisation. La mobilisation, la CAF nous a autorisé d'accepter 25 000 personnes au stade. Et puis vous avez vu le ministre en train de consulter, au moment où je vous parle là, avec vous, j'ai devant moi le supporters de votre club, de Dering et de Renaissance. Ils sont avec moi. Nous sommes en train de voir, ils seront reçus par le ministre, nous sommes en train de voir comment faire gagner les léopards. Donc, un aspect important, il faut mobiliser la population. Nous devons être ensemble avec les léopards. Ici, rien n'a été négligé à ce qui concerne la préparation. C'est-à-dire, il faut voir la psychologie des athlètes. Tout a été pris en compte. Je vous dis, pour ceux qui prient, ils doivent prier. Nous allons voir que ce soit les Kimbanguistes, que ce soit les catholiques, que ce soit les églises de réveil, ils vont prier pour les léopards. Alors, tous les initiés à autre chose seront aussi consultés de manière à ce que l'Union, bon, bien qu'il y a beaucoup de charlatans dans ces cas de précis, mais nous connaissons quand même les vrais initiés et tout le monde nous les recevons de manière à ce que la victoire soit certaine. Vous avez remarqué, peut-être les gens ne suivent pas, vous avez vu que à Kinshasa, on nous met un arbitre sud-africain en phase d'aller. Curieusement, en phase de retour, il y a un arbitre burundais. Donc, nous, ce sont des messages clairs. Et nous, nous devons aussi, nous suivons aussi ça. C'est un message clair. C'est-à-dire, il faut bien lire ce message-là et tout ça, et nous sensibilisons aussi tous les mondialistes. D'ailleurs, nous sommes en train de nous organiser pour qu'on enterre très bien l'international Kabasubabo. Le major, il était major dans l'armée. Le ministre a décidé de recevoir l'ensemble de tous les anciens léopards mondialistes. On va aller voir Ndaye. Donc tout ça c'est programmé. Donc nous voulons qu'il y ait vraiment consensus autour de ce barrage et le gouvernement, bien que nous on ne va pas se substituer aux athlètes sur le terrain, mais néanmoins le gouvernement a mis tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'on ne dise pas non, il y a problème de prime, qu'on ne dise pas qu'il y a tel problème à tel endroit. Donc le Congolais tous nous regardons dans la même direction. Donc, chacun doit jouer sa partition. Et nous vous avons facilité la tâche à tout le monde. Maintenant, nous allons voir nos athlètes sur le terrain. Voilà. Alors, Bandeko Nangato, l'ami secrétaire général Bandeko, dans le département sport. Bandeko, à l'hôpital,
tout a été bien préparé. Plusieurs observateurs estiment que ce match est très capital, car il pourra, en cas de victoire, permettre déjà au pays de croire à une possible qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde de football 48 ans après sa première participation. Bandeko Banda 74, 48 ans. Bandeko, et ça se monte. Donc, ce qui est aux autres là, dans 74, tu participes. Ah, bon, on a 2022. Non. Ma kamboza qui toko Bandeko. Donc, toko le cas. Nandeke tozo tale yango. Tout des hommes on a clairement que. Donc, toko le cas. Nasa vraiment un espoir. Pourquoi nous sommes là? Parce que Bandeko, entraîneur Oyo, va pécier tout Oya sa qui n'a besoin. Ma kamone tout, mon gonaye, ma kamone tout va pécier. Et puis, à sa entraîneur, mon gaza ma kasi Bandeko. À son expérience à Kosaka en route. Donc, tout le monde a vraiment que Hector a Kosala vraiment solo na Coupe du Monde. On est à souhait à Fachi. Bandeko. Oyebi ma kamounion se marche à Kana gouvernement. Tonto explique le problème on a ma Congolais. Na ma kamounion so. Et à la musique. Et à la football. Et à la donc partout. Et à la foot. Na musique partout. Parce que le gouvernement, ce que ça a problème, n'est aux acquis dans l'ère à 18 ans avec ex-président de la République. Donc, Kabila, na tangwana, bande quoi ça est difficile. Le solo, tout expliqué, bino, et belé peut-être baïbi, et belé peut-être baïbi. Bande quoi, ba grand joueur, aux hommes en équipe nationale belge. Bah, Vincent Compagnie, bah c'est belé. Hein? Mais, ce qu'on t'a dit, et ça va le cas, l'origine n'a pas eu, ce qu'on t'a dit, au moins qu'il y a plusieurs joueurs congolais, mais moi, je n'ai pas une équipe nationale, ti, parce que garantie est ça. Ti. Hein? Parce que, n'est-ce pas qu'il y a une équipe, mais quand tu fais une charge à RDC, à Koko Boukan, a koki don li kamwe ko sala magi passe donc dérangement makamwe belé mais belé ba suta EDC mais soko to yebino ke lelo bango tu ba komo we la ba beta EDC e belé bon mushuana déjà ba si ba s'engage na Belgique moite mais oyo ya siko bandeko entraîneur ba ebisi atambola en Europe, tout ça va outi na Bahrein. Ozomona. Bakei na Bahrein. Na baluko. Bangotu. Bazongi. Mesoko kansi na lerwana. Ekip nationale sokute bimaka peru mo ba jemu su ba kimi na ba. Donc, ezo laksa deja koma ma situation zalaka lerwana. Mesi koyote. Bake Bahrein, Bango, tout Bazongi Kinshasa. Donc, ba je bazo monake avec Félix Tshisekedi. Mboka ou yeko change. Et belé ba bani ko comprendre. Naba ministre, bande kotala. Katumbi a commis un problème sérieux. Ba ministre ne ba yebisi et donc ba lobby ne pena clair. Mais tu es un apoana. Pour ça, il y a beaucoup de déclarations officielles que tu allais auto supporter ce qui est. Donc, Katumbi do mawatu. Mais wana tu es un apoana. Alors, moi, je suis avancé, je suis tous à la bomoko. Bandeko, awa, netu l'a dit message wana, a lancé message wana ba Congolais tout. Et tu es bisounyonso. Tous à la sima équipe nationale. Ba okutane be équipe nyo sur loko. Bo sa de martir e kozala ya koinda. Le 25 mars. Ta la bande ko nan akoton. Ozo yo ka pena doko e yindi. Milinge ko mata. Don ozo mona pena ke ba Congolais. Ba don moutu nyo sur EDC mobiba.
bakulandango en direct la télévision puis monde entier. Bandeko, pourquoi ces événements? Pourquoi toujours le baketo kende? Et ça, babengo ba prédiction monko. To bete akana Maroc barrage na 74. To ki coupe du monde. Bongo mbalo peto bete na Maroc to ko kene coupe du monde. Zomona. Et puis entraîneur à Maroc wa jasiko ya lobi boy. Ce qui va garanter à Olongwana. Donc ezo lak sa clairement que ba ça na problème sérieux déjà na Maroc pour entraîner na monde ya solo bakazolo ngwana. Ezaya kuinda. Donc monte zopela. Mes félicitations président de la République ba tie ba moyen nyonso en place. Ba je ba se sentir à l'aise. Allô. Bisona na coupe du monde. Bayoka RDC. Wana fatiye moko en direct la Qatar akozala kuna présent. Ah, tala bandeko ako soutenir bango. Bandeko tango président de la République azozala wana ezala vrai. Allo, bandeko nanga biso nyonso. Miswe komi wapi Qatar 2022. Alors toko koma pe to assure toko leka. Wana pe souhait au fatia misiba mbongo makambo tout est en place. Alors, tu tika ngona bino, tu komo kende na deuxième point. Alors, bande konanga, tu komi na deuxième point na biso 15 ans de servitude pénale Ricky contre un Congolais, membre ADF. Bande ko Congolais oyo, a kende ti Uganda, kokino kukutana na Moussa Baluku ADF. Le ministère public a requis ce mercredi 9 mars à Beni 15 ans de servitude pénale principale contre le Congolais Kevir Bertual, accusé de participation au mouvement insurrectionnel ADF. Selon l'organe de la loi, le prévenu a assuré la communication des combattants ADF. Donc, il y a Azaki Moutakoussala, la communication. Pendant que ça, Mao. La deuxième partie, tu as la sensibilisation, tu as le salama, il y a un milicien, mais tu as la pointe. Alors, il y a ça qui donne antenne, donc partout, tu as communiqué, tu as l'ADF. Pendant opération conjointe, tu as la moussala. Il y a un bateau qui contre ma cambo, tu le gana est, tu as la bango bien. Il est reproché aussi à Messie, Nzakave, âgé d'une cinquantaine d'années, d'avoir pris langue avec le chef ADF Moussa Baluku pendant 10 jours en Ouganda. La défense a avoué ces faits tout en précisant qu'il était envoyé par un chef coutumier de la région en fait de rencontrer le chef des ADF pour négocier la paix à Beni, région qui fait face aux tueries des civils depuis 7 ans. Défense de Malobité, on m'a dit qu'on ne va pas défendre. Il n'y a pas avocat, il ne peut pas être là. Il y a pas de défendre qui est un chef coutumier qui est négocié pour peser. Ah, il y a qui est négocié. Un chef coutumier qui est un chef coutumier. Non. Il faut pas être là pour un chef coutumier au malam. Au sommet, non. Bande de guerre et ses ans, il faut pas être là qui est une mission où il est au Tchaki. Bande député wana musa zo wanga na nae ya FCC ki voilà baza ba collaborateur ya ADF ba ki no tika la bomba arme. Donc guerre yo za très compliqué. Allo ye a tiki a keti kuna il a participé na makambo ebele qui a fait face aux tueries des civils depuis 7 ans. Ma kambwe belo e sa mina mboka na biso. Ye Kongole oyu asana kati. Asa ini 50 dan. Uzo mwona. Alo, aza uzare ba kangi. Ba pesye 15 ans. Le preveni a affirmé que sa rencontre avec le chef des ADF avait eu lieu en septembre 2020. C'est au mois de décembre, même année, qu'il a été arrêté par les services de renseignement. Travail, je salam. Dans le renseignement militaire, je travaille. Alors, je suis en train de
va passer 15 ans de servitude pénale. Pour que nous coutana et ADF Koun. Awa, bazolo bako, voilà. Yé. A kende kuna, pour na vous négocier paix, na makambo ya ADF, na mboka na biso. Eza mawa. Alors, si koyo, tole kana point oyo, y a sensibilisation. À Béni, les communautés de base sensibilisées pour accueillir les miliciens c'est, qui se rendent. Donc, bah, ça l'organisation, pour la Koyamba, bah, oyo nyonso, oyo bazo, ça la défection. Donc, deux au moins, la conduite à l'armée, mi balaya, Ouganda, na ya EDC, bazo, solo la makambo, oyo, yaba ADF. La coordination urbaine de la société civile de Béni Nord qui va poursuivre ce mercredi 9 mars sa série de séances de sensibilisation des communautés de base sur la nécessité d'accueillir les membres des groupes armés dont les rebelles ougandais ADF qui acceptent de se rendre au nom de la paix. Boba ndimi au nom de la paix, alors bakoza na problème te. Mais boba otia tumagas, bakoza ya. Alors toyo ka extrait oyo, oya sensibilisation. On te continue, mission. Et puis, la coordination urbaine de la Société civile Force Vive de Béni poursuit sa série de sensibilisations des communautés des bases sur la nécessité d'accueillir les membres des groupes armés, dont les ADF, qui acceptent de se rendre au nom de la paix. Cette activité entre dans le cadre de la déclaration publique sur l'intervention des organisations de la société civile sur le processus des démobilisations de groupes armés. Le mercredi, ce sont les communautés des bases de deux quartiers, à savoir Kinzouli et Boutsouli, dans la commune de Moulekira, qui ont été sensibilisés. Pépin Kavuta, président de la société civile de Béniville, explique le bien fondé de cette démarche au micro d'André Kitenge. Nous avions commencé à sensibiliser la communauté de base sur un communiqué conjoint de la société civile ougandaise et la société civile de la RDC, ceux-là qui ont pris part à une conférence à Kampala en date du 8 au 11 novembre 2021 pour que la population accueille ou accepte que les membres des groupes armés, dont les ADF, qui acceptent de faire défection et venir dans la vie civile, que la population ne s'adonne pas à la justice populaire. Bien au contraire, il faudra les accueillir, mais vous, il faut les orienter vers les services de sécurité ou les autorités locales, à vue que d'autres États soient informés de combien de membres de groupe ont fait défection. C'est ceci à l'État de savoir comment il va travailler avec eux à vue de leur orienté dans la vie civile. Mais ici, il faut être clair, les deux États, l'Ouganda et la RDC, doivent bien établir les stratégies communicationnelles et aussi les stratégies de réintégration claires doivent être conçues par les deux États. Alors, Bande Konanga, nous avons suivi. Nous avons commencé à sensibiliser les communautés de base sur un communiqué conjoint de la société civile ougandaise et la société civile de la EDC, celles-là qui ont pris part à une conférence à Kampala en date du 8 au 11 novembre 2021 pour que la population accueille ou accepte que les membres des groupes armés, dont les ADF, qui acceptent de faire défection, de venir dans la vie civile, que la population ne se rendent pas juste. Bien au contraire, il faudra les accueillir. Bango justice, pour la bango zate, bande société civile nationale ou gandese, basanganaki, et ça là qui est année passée. Alors, le mercredi au 9 mars, bakoutanaki, pour la ko, ça la sensibilisation, koyeb sa bango, été, bobima, boya, botika makambwana awa mutako sala bino mabeza te parce que bango mope kuna bandeko bakumo senti pression ko sakanati alors pression na sikoyo mpo bango babima bamoni ke batia bango bayebisa bango ke baokanga bino te bobima boye bakoti bino na société obandi vi normal donc ici en citation et sa siko bandeko. Dans le 9 mars, Oyo, sensibilisation est salamaka au sakana ngote na Béni, pour na ko convaincre bango, ete, soko bimi ozano na problème te. Baso mwana neba, Oyo, ba wuto djwa 15 ans, akene ko koutana na chef ba ADF.
et belé bazana zamba ba ici bana mboka bobima parce que pour le moment biloko ADF bazo swa bandiko baza demandade baza ko panzana pour le moment alors ba monete ba jeune oyo bazo banga koya ba okansa peut-être ba kokanga bango tout ça ba monike ba ya komitika bango moko au lieu que ba kanga yo parce que pour le moment soki ba kangi yo a talo ba uto BT 15 alors bandeko ezay o ba lo baka sa chauffe alors pour le moment bazo se préparer ba monete en tout cas il faut to accueillir bango toye ba bango na société alors les décisions civiles bazo sala campagne partout bandeko makambo ya def et kota ngona kata population et bele bazo zwa ba mbongo na makambo ya def me makila ba tuza kotanga et sala enga pasi tana mona ki ba député ba tangi ba kombo na bango na ADF ba kanga ki pase yepe ADF ba kangi bongo yoka lobi ya kotanga ba kombo ba batu batu onyoso ba kolabora na ba group army boye ba yeti ba secret komi kobi botika lere angoyo parce que ba kongole bazo bonde la pona situation oyo peyi oyo to remeta na maboko a Nzambe e komi ta oyo peyi oyo ezala libere na est bande ko bazo akimia alo bino bo bozo kolabore na ba group armé botika message za clair ba yebisi bango sensibiliser pour accueillir les miliciens qui se rendent la communauté de base sensibiliser pour les accueillir ba miliciens oyo ba se rendent bango moko ba kozata na problème ti mais soko se rendent ti yebake biloko moto parce que bandeko opération yel suna ndenga moto bako beton biloko nana likolo nana se alors bako ba de bandade ezo senga ke bango moso batiki baza na probleme te bandeko toye ba probleme moko eteza complexe makambu ya ADF oyo parce que y a trop de infiltrés y a trop de complots na ba kongole na kati mais avec Dieu nous vaincrons mais FARDC bendele koyati bo continuer ensemble ba to ba olingeta de CHT bo tala ba mala c'est à ce point tu qui deuxième point to mo ke na troisième point bande ko troisième point oyo et ça la kamawa komona ba kongole koyana ba fake news ba message à l'okuta pour na ko troubler population biso to lobela binongo yi c'était hier to lobela tala makambo eza à l'okuta to luka ba vraie information to yi ba congolais bande ko to za ndire ka Bruxelles message kito to koyo ka message ba ko expliquer yango très très bien fati ba tiko sa l'opération te yango bandeko ya Congo batondi ebele oyo bozoluka bokozwa te faci aza eti nzambe atindi ye aya kosauve RDC na baproblème otoza nango nyonso tokoloba ekozala nul et sans effet vérité sur la santé du président de la république Félix Tshisekedi à Bruxelles le président Tshisekedi s'est fait soigner d'une hernie discale. La présidence m'a confirmé. Contrairement aux informations relayées par les médias belges sur une prétendue opération à cœur ouvert du président Félix Tshisekedi, la présidence de la République annonce que le chef de l'État congolais séjourne en Belgique pour se soigner, se faire soigner d'une hernie discale. Dans la même source, le chef de l'État a également profité de son séjour pour réaliser son check-up médical annuel de routine avant d'ajouter qu'il porte bien, dissipant ainsi tout malentendu sur son état de santé. Ezamawa. Mais tout ça, il y a Boyoka, Tina Salama, à quoi expliquer un mot? Ezamawa. Nanangwa yeb sibinoki. Yeb.
aza opération à cœur ouvert. Botala nanu kafumba na dossier. Et pesaka ba congolais de père et de mère motema passe. Non. Tu ebek te ba congolais de père et de mère sale bango passe. Komona ba message andengi wana peza ya lukuta. Ilo bande komoko ba kongole ba boma mutu nana kufiti. Ba kongole ba pesa ba message me obo zoe nango bo keba. C'est le chef de l'État. Aza président de la République bo kebo bo zo loba. Bande kebele ba koma na ba situation mo ba yebe pe utite. Koma yo zoe na réseaux sociaux. Oza inique maka kopé sa message à Lukuta. Et puis ba foutu yo pe mbongo wana ole sakabana na yo. Non. Ce n'est pas ça. Bana na yo un jour ba kotuno ba question. Makambo tu yo ya koloba kawana. Na bo finga ka chef de l'état un jour bana na bino ba kotuna bino. Bango ba ko avancer ba bana na bana lelo. Basana kati ya réseaux sociaux atuna ah papa mais pourquoi des insultes comme ça au président de la République pourquoi zolo mabibu et pas président de la République na yebite son réponse au pesa mwana yo parce que le même mwana wana ayoka kiyo tango zo finga Kabila. Ayoka kibino nyonso wana tuta bolo wa mabepo na ex-president de la République. Mwana wana lelo alubi, oh, mepoza olo mabepo na Kabila. Oh, e komini suna fachi, bolo wa msu mabe, oh, Kongola zandegi mi. Bande koweza mawa, sa fe mpe mal, la fason, changement de mentalité zo senga makasi na mboka na biso. Koma to se comporte, na ba message alokuta. Et pas écoute, non, donc, si vous talez pour le dossier, vous talez pour le lobby, et Congolais. Non. Et puis, a dit, tant et penda, hein, ou on a dit, dans les réseaux sociaux, moi, la moutou penda, et a préparé penda, ou on a une mission. Peu pana une heure. Et les gens aussi, je ne sais pas comment nous nous sommes. Ozo landa pe yango, ou du petana yo, ou vandi pe ozo landa, message à l'okuta. Et ce qu'on y a battu le message à l'okuta. Tente expliquer un peu. Où est le cas qui n'a média belge? Média belge, bon, bah, l'oba qui n'a bango. Où y a bazoa qui n'est pas bah, congolais n'a aidé ici. Alors, média belge, on est l'oba, peu ma kamba solo en tout cas. Mais baza qui est un peu induit en erreur. Par les soi-disant. Ba media congolais o bango pe bazai nande bazona nandimite ba coopérer sur les médias wana ABC monde bobe sa confiance libre belgique déjà ba bakobare bino kare ma passe bo tie bango na place mobu bazai na confiance na bino liboso bo pe sa mbe info siko info bo pe si bande ko soni ke no tanga ngomona ke bango bazu yango e pa ba congolais. Ozomon, na media congolais va pesi bon que voilà président la Belgique, azan opération tout ça tout ça. Alors que c'est des mensonges. Alors, bandeko ezamawa. Mais tout le cas, tout changer comportement pour toi avancer mboka. Alors, avant toi avancer, tout yoka, ba vérité sur Fachi, bon to continuer mission la biso. Bonjour à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, se porte bien et n'a jamais été opéré en Belgique. Cette précision est de Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État, dans une interview exclusive ce vendredi à Radio Capi. Cette réaction fait suite aux informations qui circulent en ligne faisant état d'une opération à cœur ouvert qu'aurait subi le président Tshisekedi en Belgique. Tina Salama précise que le chef de l'État, qui effectue une visite privée à
à Bruxelles, on a profité pour voir son médecin et faire un contrôle médical de routine. On écoute Sina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État, jointe au téléphone par Pierrot et Lamiche. Effectivement, nous avons tous été surpris de voir une information erronée circuler sur les réseaux sociaux également, ou dans certains médias mal de sensation, parce que j'estime en tout cas que quand un média a besoin d'une information, il va à la source. On n'a jamais été contacté par aucun média pour vérifier. Et donc, du coup, on s'est réveillé comme ça, les gens racontaient que les patients avaient subi une opération à cœur ouvert. En tout cas, je tiens à vous rassurer, à vous dire que le président n'a subi aucune opération à cœur ouvert. Le président de la République se trouve à Bruxelles pour une visite privée. Il en a donc profité pour voir son médecin et faire donc ce qu'on appelle un check-up normal, donc un contrôle de routine. Donc son médecin lui a proposé de se reposer pour quelques jours. Il va très bien, il rentre à Kinshasa pour les prochains jours. On peut avoir une date précise, mais c'est à sa discrétion. Il peut décider d'avancer d'un jour, de reculer d'un jour. Donc c'est à la discrétion du chef de l'État lui-même. C'est selon son agenda, les rencontres qu'il a prévues de faire. Mais en tout cas, moi je vous garantis qu'il va très bien, il n'a subi aucune opération à cœur ouvert et qu'il revient à Kinshasa bientôt. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Vraie info. Le chef de l'État se porte bien et n'a jamais été opéré en Belgique. Tina Salama. Aucun communiqué officiel n'a annoncé ce voyage. Tina Salama indique aussi que la date précise du retour du chef de l'État, président de la République, en RDC n'est pas connue. C'est sa discrétion. Il peut décider d'avance d'un jour, de reculer d'un jour. C'est la discrétion du chef de l'État lui-même, selon son agenda. En tout cas, moi, je vous garantis qu'il va bien. Il n'a subi aucune opération à cœur ouvert. Et il revient à Kinshasa bientôt. Pandeko, nous t'accueillons un traitement. Akené d'abord, Akené voyage n'est privé. A profiter à que mon docteur n'ait un check-up à mon équipe, à sa situation à Hernie, alors. Bah ça les traitements là, mais bah il y a les biseaux scoro opération à cœur ouvert, enzambenanga congolais. Et puis sur le tali, nande bah monta comme un kambango, je ne sais pas. Tozo me mamboka oyo wapi, pourquoi pas? Tokoki kobong samboka oyo bande koto tika makambu, ba mensonge. Tozo détruire mboka na biso. Et Zandengue au Théotokotonga et DC avec ma message non fondé aux yeux de ceux qui wapi. Et puis vous avez même le courage yakouya na YouTube ko passe yango. Non, il faut tout tika bandeko le chef de l'État aye pas bon sambo kanabiso, mais il y a des gens où yo bazana makansi ou ya mabe. Mais il y a pas que ma kanti ma betu bozanango. Bino mokonde, boko ya koujwa ba réponse après. Boko loba, toza o kanza boui. Mais, nzo kande za boite. Bandeko, totika makamboyo. Banguna Kongo, ba telemi nandenga mukiti. Mais que, en tant que chrétien, na o singa bandeko nyonso, to priyaka. Pour la chef de l'État. Tout le monde l'a mis pour la fachi. Parce que RDC et Zambo Kamoko na yebite. On supporte même moutou. Ou yomuna makamoutou a bena sala bena mabe. Mais ce que tali, ba Congolais moussousou, a raison supporter makambouana. Mboka ou yoto wouti na kamboka, a djimboka na katia liboulou. Fachi. Azo bon sa mboka na biso. Azo na beje mboka oyu. Ekende liboso. Ta la photo ena médecin. Azo vraiment à l'aise. Bon mouto ba sali opération aza la boui. Pourquoi le kouta ya boui? Tozo kende nango wapi. Et puis esanga na mouté mama bi. Message je pas ba congolais nyonso oyo ba nguna ya Congo o bazo lingati toza la bomoko tala totika totika nzela wana tozo landa ba message bazo pesa bino boza la contre président de la république bolanda yango ti fachi za bien
aza na volonté au bon samboka aza tani idée mokote oyo oyo ndenga bazoye la bino kopesa bino ba idée batwana nyonso bazana besoin ba poste pour na 2023 mais bazo se confondre entre bango kana kati ya ba parti na bango kana poela. Dans les propres parties, déjà, bazo, c'est non, yote. Oh, ngate, mais yote. Bon, on Fachi. Oh, bazo dit, même yemoko présent à parti, bazo, c'est que biso yote. Ba Congolais, tout téléma. Pays oyo. Et ça, déjà, en bonne voie. Il y a de bonnes choses qui nous. Et ça, les bosso la biso. Mais tout le monde est en goutte. Bota la pays, plusieurs années, les Congolais n'ont même pas une carte d'identité. Mais pour vous, la carte d'identité n'est pas nani et pas Félix Tshisekedi. Mais pourquoi Kala Moussa qui a monté? Le loyo, ministre des Affaires étrangères, a zo lobake, passeport, ezaka kana prix wana, $99. Mouta a changé en route. Osomona? Donc, ba tche ba poe, ba zo linga ba bongsa edisi. Bandeko paye woutina oba lobaka mawa. Me moutou akoya koloba ou voilà. Paye ou paye na biso. Batouana toua liboso. Basala ki bien boy. Botale malam. Batou basale lo remonte pour na mboka. C'était pour piller le pays, détruire et tout. Et maintenant Fachi est venu. Abana koubon sa mboka. Yango totika. Ben fwa lukuta, ton loba oeza veriti. Na batu kutungana kwa hondi mate, alekipe na tutue, na Twitter, alubi ki o président de la République, azape, me ndeko yongana mwona kopesa information na YouTube, na mwona kopesa vre ben fwa. Me pourquoi pe okoko kosa? Do tout le monde est là pour mentir. Sikoyo, media wana, oya media belge, na media na bisa EDC, collaboration kukufa. Pase mundela olingateke, yope sakebe mfuwa lukuta, boko zala mubulu. Alo, bande konangai, président de la République en bonne santé, na docteur, makamu tukitoko, tukuto yoka confirmation wana, alo, président za aza en bonne santé, alo, déjà, Makamu kitoko, kalate, azozonga, EDC. Alors, c'est à ce point, tout tiki. Troisième point, Fachi en bonne santé, tokomo kenena, quatrième point. Alors, bande konanga, tokomi na point na bisou oyasuka. Lutundu la choisi, président Tshisekedi, Eno Moïse Katumbi, pour 2023. Bande konanga na plateau na top Congo, ezaya koyinda. Katumbi ndenga zawana don na ebite kolera na ngodo. Katumbi don pase zo sale ya kusaka na ngote. Alo, ministre ya affaire étrangère pe vice-premier ministre. Élection présidentielle en 2023. Christophe Lutundu la choisi la candidature de Félix Tshisekedi. Donc, bon, oui, ok. Donc, bandeko, a sa raison. Parce que, ba moni vision ya chef de l'État, il est là pour abonsamboka. Yango, bango nyonso, la majorité, ba poni, bazala, sima ya Félix Tshisekedi. Il est jusque là la preuve du contraire, cadre ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Potentiel candidat aux prochaines élections, mais sans l'ombre d'aucun doute, Christian Lutundula a fait son show. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, quant à lui, clairement pris position pour la continuité et la poursuite de l'œuvre entamée en 2019 par le fils du fait Étienne Tshisekedi. Voilà. Allo bien au clair. Exactement, le chairman Katumbi. Na 2023, non. Katumbi, mawa, et sali. Amoni moi, été.
Donc, nous avons battu. Et qu'on passe, quand nous tournons la tête, ministre, c'est tout. Avançons. Si Félix Tshisekedi est candidat pour les prochaines élections, je suis solidaire avec lui, avec son action. Je vais soutenir ce que nous avons fait ensemble. Si Katumbi est également candidat, ça c'est un autre problème, a-t-il expliqué. Ezaya Koïna, Ezie Yindi. Bandeko, Katumbi a un problème. Lutunda l'a dit clairement qu'il n'a pas pour Tshisekedi. C'est avant de rechercher que si le président Félix Tshisekedi est candidat et demande à la population de lui faire confiance parce qu'il fait un travail, je le soutiendrai parce que j'ai fait ce travail avec lui. Peuple a pessier confiance. Ngana zo travail na yi. Bande wan mutime katumbe zo mette bou. Bou a dit ah! Ou ministre nanga, y ensemble, ou clairement la télévision, qui reprend nos fachi, oh, Katumbi. Ma kamweza nango bongoti. Y a un problème, monsieur Katumbi, pour le moment, ba Congolais. Ba Congolais, baso mona clarté. Dossier Katumbi, ça floué pas ba Congolais. Mais wantu tchikan abin. Pour éviter tout équivoque, le chef de la diplomatie congolaise a expliqué ne pas être au gouvernement pour les comptes d'ensemble. Alors, il faut équivoquer Zalati. Nakosa nanga muta katumite. Isaya koyinda et si yindi. Bon, batu bakumo le kabou. Bandeko, EDC. Sotaloua, la CENI échange avec la mission d'observation MIG 5SC. 5SC, si vous avez une mission d'observation, vous avez une mission d'observation. Si vous avez une mission d'observation, vous avez une mission d'observation. Vous avez une mission d'observation. Vous match à 2023, ko, et ça a déjà déclaré clairement, ba ministre, ba comment le va poler les boy? Engaye. Ba ne quoi ça problème awa. Alors, il faut que le qui vote, n'a pas été jamais pour le compte ensemble à Katumbi. Donc, Katumbi place à ça. Mawatu. A chaque longue nasse. Mais Katumbi, il faut comprendre. Que Fachi Batubazo comprenne ma comme Fachi Azo est sa ministre Oyo. Et zo touche ma ministre Nan ba yokati. Azo est sa ba ondeni ba koubon sa mboka. Mboko e koufa ba bon sa yango pati ma watro. Alors, sans plus tarder, Toyoka, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, bon, on continue mission à mission. Ne perdons pas de temps, j'ai déjà dit ça. Le président Tshisekedi Alobi, Nazali candidat. J'ai fait un travail, vous pouvez s'en avoir confiance. Je soutiendrai parce que j'ai fait le travail avec lui. Merci, on a bien compris que vous soutiendrez Félix Tshisekedi. Mais alors, merci à vous. Alors, bande koranga to landiwana, aleka ki na top kong. Alobi ke yako pona fachi. Fachi fait un bon travail. Moutunyo soazo mona. Ba Congolais. Tala, tant to combien, ils ont sous tant sentimenté. Totala, ou ils ont salama. Totala, ba réalisation. Totala, de moutazana volontaire au bon sa EDC. Tant que vice-premier ministre a eu qui sonnette la télévision, a le bien clairement. Abonne koza la naïve. Pas à zo mona. Yango ba Congolais sous tous aboui. Mboko e bongi. Ozo tala te ke wazan de konanga o parti nangai mena o tala ba action. So y Kongole nyo sozo tala action. Li bo tala fachi ko tala ete. O li ko tala katumbi ko tala ete. Yo tala ne ba action o yo baza ko sala. Tala ba mindele. Ba tala ka teo fanatika mutu. Makamone pa na bongo ezati. Mindele ba tala ka boye pe na osa neti eleksyon ele ka na France.
na mois de Namero. Bandeko. Na mois de mai, bako publié président de la République française. Bon, on a l'élection, bon, on comprend de qui. Bah, on a la baction, il y a bien Macron en sali. Mais bah, on a la tête contre la personne de Macron. Mais bah, on a la oyoya sali. Félicitations, Premier ministre. Parce que l'on a la Congolais qui est au talent, Fatia sali qui t'a. Eh, tu votes. Soit sali ma bé. Bah, on vote. C'est ça, Ndengembo, qu'il fallait t'amour. Dans un gouvernement nommé par le président de la République et dans notre pays, les affaires étrangères, l'intérieur, la sécurité et la défense sont le poste du président de la République. Vous comprenez, hein? Et ça va poser clé à pays. Défense, intérieur, affaires étrangères. Et ça va poser clé où est Simbakamboko. Donc, et ça m'a kaumoko à l'objet directement devant la télévision Katumbi à Zoyoka. Mais Katumbi, ça les passe. Si vous voyez le quota accordé au parti politique dans les répartitions des postes, le ministre des Affaires étrangères n'a pas été donné à l'ensemble, a déclaré Christophe Lutundula. Nekotolani. Hein? Dans la même chose. Donc, ils attendent Oyo, tout à la action na bango. Mboka Oyo Keneli Bosso, au lieu que tout à la kabatu, mais tout à la moussala Oyo bango basali, pour toi avancer na Mboka Oyo. Parce que za soni na mawa, Mboka na biso ya APC. La CENI échange avec la mission d'observation mixte. Senko esisi. Senipe kuna. Bango yewana. Monseigneur. Bake. Bango nyoso monseigneur. Nchole. Bango. Komisyona bango. Na Deni Kadima. Mission d'observation. Ya nini? Ya election. Ilobinde kumu ba sango ba lela election na ndenge moko. Ba lela pene election na tenor. Donc, pona bango. Il faut qu'à l'élection, ils aillent. Donc, ils ont ma voix. Comment était Basango, ma cambouille élection, Baso tient toujours priorité. Année prochaine, ils avaient élection. Tous ceux qui battaient Basango, ceux qui battent Simarabango, il y a des tireurs de ficelle, on ne sait pas. Bandeko, toujours répétant en bas, en bas là. Total à misala batuba sali, total à baction na bango, au lieu que bisto critique la personne, au lieu que total à mosala fatia sa kosala, au lieu que tout touché yemoko, mboka oyo et quoi avance. Ba Congolais bola mouka, pays na biso et wouti na ba situation moka ou sakara mouti. Koutou ndenge banga ba changer ba élection oyo. Était au lieu de 5 ans, ça la 7 ans. Et ça bien, parce que chaque fois que l'élection est bien de la cabane, tout va problème. Mais l'élection est en grande situation est belle. Alors, ça m'a abandonné qu'on en a parce que tout ça a besoin. Et ma camoussou, peut-être tout à l'heure, en priorité. Comment 5 ans de besoin de toutes ces photos, bango ba kangami kaka ni élection. Banani vraiment basa simaya 5 ans. Na esisi. Yana batumo sima na bango bazo tia pression na makamboy. Glisme zalati. Me. Esa mawa. Bona na emission passe. Ye moko abencho la kene ko mona. Na parlement na biso mboso. Après ma solo na mboso. Lero ni susu na media. Batini délégation et pas ya Kadima, Yangoana. Monseigneur Ncholi. Makambu oyo, yes, yes, ya élection. Basiba luba eke kozala. Glissement e kozala ti. Totika ko lenga, lenga, lenga bandeko, catholique. Makambu élection. Batia kango pression makasi. On ne sait pas.
Mais, si y a les intérêts, voilà, dans des observations, bah, organisation internationale, bah, pèse à Kabambo. Mais, de comment assurer un peu, moi, important. Alors pourquoi Bango Baya Kako observer les élections à Bissou? Est-ce que les élections en France kuna Bissou de Kena observation kuna tout tika complexe? Si que Bissou délégation se Kena kuna en France qu'observer les élections à Bango. C'est ça, peuple africain. Tout tika kosa la complexe na makambo aboyi. Ce n'est pas possible. Bango ba ya observer be election abisho yango ba sango bazo sala bu po ba yebike ba ko soa groupe observateur ba ko pesa mbongo et tout ça l'union européenne et tout ça mais bango ba ya pa so biso to kenda kati et ça ma allo ba de konga po na ponyu tonto lo va ba kongoli eti makamu sue zali. Mais toujours quand on a une élection, toujours on a une élection à l'Est. Il faut aussi que ça a une élection à l'Est. Toujours on a un premier recensement. Pourquoi ba sango ne ba kenda ka ba no ba ta recensement te? Ba kanga mi ka makambu oyo. Alo, bande ko nanga za mawa. So ko tali dossier oyo ezo sala pasi. Alo, c'est à ce point to comme clôturer mission na biso. Bon abonner massivement, bon partager bandico. Au revoir, à la prochaine.